Excellencies, ladies and gentlemen, we will now move on to the next point on our agenda, which is item 8, the draft plan for the use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund in 2016-2017. Indeed, as you know, that many things the committee and the secretariat have been doing and have been able to accomplish over the past 2 years, they have been possible thanks to the Intangible Cultural Heritage Fund. This is the fund to which all of you, all the members, but also the non-members of the committee, the states' parties to the convention, have been contributing year after year. As you know, our functions as a committee are laid down in Article 7 of the convention. And one of them, an important function of this committee is to prepare and submit to the General Assembly for its approval a draft plan for the use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund. This year, in 2015, we are meeting in the year before the next General Assembly. So the next General Assembly, as you know, will be taking place early 2016. Which means that we will be having to tackle now the budget for the next 2 years, and we will have to make a proposal for the next General Assembly to ensure the best possible use of the available funds in the fund. So the documents you have in front of you are, on the one hand, we will be looking at what happened in the last 2 years. So you will have a report on the execution of the plan for the period from the 1st of January 2014 to the 31st of August 2015. And then we will also have the draft plan for the next 2 years. So the draft plan for the use of the resources of the fund for the period 2016 to 2017 and the first semester of 2018. Mais maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Duvel, la secrétaire de la Convention, pour nous présenter le document dans plus de détails. Je vous donne la parole, Madame la secrétaire. Merci, Monsieur le Président. En effet, du fait des raisons des délais statutaires de remise des documents au comité, qui sont 4 semaines avant le début de votre session, nous avons été obligés d'arrêter les comptes financiers, le rapport financier, au 31 août 2015. Mais évidemment, nous avons continué à travailler et donc ce qui sera présenté à l'Assemblée comme rapport financier sera un rapport qui sera présenté au 31 décembre 2015 et non pas au 31 août. Mais pour vous, je ne pouvais pas faire autre chose que de vous présenter le rapport au 31 août. Et nous aurons fait un certain nombre de progrès dans les dépenses. Je vais vous expliquer de quelle manière. Alors ce document 8 n'est pas le plus agréable à lire, il est un peu technique et compliqué, il est pourtant extrêmement important parce qu'il est celui qui donne les moyens en fait au comité de travailler pendant 2 ans. Il est quand même aussi important que le comité ait pleine conscience de ses implications pour que ses recommandations à l'Assemblée générale soient tout à fait éclairées. Alors, comme vous venez de le rappeler, ce document comporte 2 grandes parties. Le passé, ce que nous avons fait du plan 2014-2015, et puis ce que nous proposons comme utilisation pour l'avenir. Et évidemment, je vous expliquerai quels sont les changements que nous proposons et leur rationnel, le pourquoi de ces changements. Et puis, dans ce document, vous avez aussi 3 annexes. Vous avez l'annexe 1, qui je dirais est presque le plus important par rapport à l'Assemblée générale, qui est le plan d'utilisation des ressources tel que vous allez souhaiter le présenter à l'Assemblée générale. C'est un plan qui sera, je reviendrai dessus, présenté en termes de pourcentage, parce que vous ne connaissez pas encore le vrai montant qui va être disponible. Ce montant, il sera connu qu'au 31 décembre prochain. Et puis, vous avez une annexe 2 qui sont les rapports financiers sur l'utilisation du fonds pour la période de janvier, du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, en miroir, en quelque sorte, du plan des dépenses approuvées par l'Assemblée générale. Il y avait plusieurs postes de dépenses et donc le rapport financier suit ces différents
postes de dépenses. Et enfin, la troisième annexe, c'est l'état des contributions obligatoires, assess contribution réglementaire dans le langage formel, au 31 août 2015. Voilà. Alors maintenant, je vais rentrer dans la substance du document, si vous voulez bien. Le passé. Et avant même de passer, je vous rappelle quand même de quoi sont composées les ressources du fonds. Les ressources du fonds viennent, et c'est la convention qui le détermine, de trois sources. La majeure partie, c'est les contributions réglementaires obligatoires des États parties. Et comme certains États parties peuvent souhaiter ne pas être liés avec la notion de contribution réglementaire obligatoire, il y a une autre catégorie, mais qui est finalement une catégorie de contribution également obligatoire, mais qui s'appelle volontaire. Mais tout ça, on appelle ça des contributions réglementaires, et c'est la majeure partie des ressources du fonds. Puis on a des contributions volontaires supplémentaires, c'est-à-dire certains États qui souhaitent, au-delà et en sus de leur contribution réglementaire, faire une contribution spécifique pour des propos, pour des objectifs spécifiques. Et puis, il y a les intérêts que génèrent les fonds qui ne sont pas utilisés et qui viennent aussi abonder le fonds général. Donc, les trois annexes, il y a trois annexes qui portent exclusivement sur les contributions volontaires supplémentaires, les annexes 2A, 2B et 2C. Elles ne mélangent pas les autres contributions volontaires. Et puis, deux annexes portent exclusivement sur les contributions réglementaires obligatoires et volontaires des États parties, et l'annexe 3, l'échelonnement des crédits et des dépenses, qui correspondent dans les deux versions à la page 13 des documents. Alors, dans ce qui concerne les contributions réglementaires, les 10 principaux débiteurs au 30 septembre, ceux qui n'avaient pas encore tout à fait, n'étaient pas à jour de leurs contributions, ont reçu des lettres de rappel. Et à la date de publication des documents, il y a 78 États parties qui n'avaient pas versé leur contribution obligatoire au fonds, soit, ça correspondait à 13% du montant total des contributions mises en recouvrement. Donc ce n'est pas énorme, même si ça fait beaucoup de pays, ce n'est pas énorme par rapport à la masse totale des fonds à recouvrer. Maintenant, je vais vous parler de la mise en œuvre du plan approuvé par la 5e Assemblée Générale sur les contributions réglementaires. Et là, je vais vous afficher le tableau. Vous allez noter, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que je vais vous expliquer pourquoi, vous allez noter une diminution du taux de mise en œuvre du fonds. Si on compare avec l'année dernière, par exemple, le dernier biennium, il y avait un montant de 5 085 000 disponibles et seulement 2 091 ont été dépensés. Donc on était à peu près à 50% de dépenses du fonds. Et pour le biennium 2014-2015, arrêté au 31 août, alors ça va s'améliorer un peu, mais à la marge quand même, on avait à dépenser dans le fonds 6 042 et on a dépensé 1 095, soit à peu près 30%. Et ce faible taux de mise en œuvre est d'autant plus faible qu'il est presque invraisemblable dans un contexte où l'UNESCO a désespérément besoin de fonds et que les États ont désespérément besoin de soutien, il est lié essentiellement, ou presque exclusivement, je dirais, au fait que 54% des ressources du fonds, sont destinées à l'assistance internationale et que le taux de mise en œuvre de l'assistance internationale est de 3,4%. Donc, c'est que sur les fonds très importants qui sont dédiés à l'assistance internationale, très peu de pays font une demande d'assistance et la reçoivent.
Et là, c'est pour l'assistance internationale. Il y a un deuxième chiffre qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle aussi une assistance internationale, mais qui est l'assistance préparatoire et qui est dédiée à l'aide pour la préparation de candidature que vous avez bien voulu élargir à l'aide pour la préparation de demandes d'assistance internationale. Et là, on a, grâce à la mise en place de cette assistance technique et des assistances préparatoires, on a un meilleur taux de mise en œuvre, 13,4%, mais qui est quand même ridicule. Ça veut dire qu'au total, si on prend l'assistance préparatoire et l'assistance internationale, qui sont deux modalités quand même d'assistance internationale, vous avez quasiment 60% des ressources du fonds qui sont importantes en termes numériques, en termes d'argent disponible, qui sont très peu utilisées parce que il n'y a pas encore la capacité des États à mobiliser cet argent. Et je vous ferai des propositions tout à l'heure pour améliorer la situation de manière drastique. Maintenant, la ligne 3. La ligne 3 concerne les autres fonctions du comité. Qu'est-ce que c'est que ces autres fonctions du comité? Eh bien, c'est tout ce que décrit l'article 7 de la Convention et qui sont tout ce que le comité devrait faire tout au long de l'année pour aider à promouvoir cette convention, à prendre un certain nombre d'initiatives. Et le comité délègue au secrétariat le soin de mettre en œuvre ses activités. Par exemple, le renforcement des capacités, le système de gestion des connaissances, ce sont des éléments qui sont des responsabilités du comité à la fin, mais qui sont délégués au secrétariat. Alors là, évidemment, il y a 20% du fonds qui a été dédié à ça. Donc on avait d'abord 60% à l'assistance internationale et on voit le taux de mise en œuvre tout à fait problématique. Mais sur ces 20% qui ont été dédiés à la promotion des autres fonctions du comité, on est à 90% de mise en œuvre. Donc là, on a les fonds qui avaient été mobilisés par le comité sont réalistes par rapport à ce qu'on a été capable de dépenser. Vous noterez que sur cette ligne, sur les deux lignes, assistance internationale et assistance préparatoire, sur les lignes 1 et 2, vous avez une nouvelle ligne qui intervient. Jusqu'à présent, vous aviez une répartition des fonds par groupe électoral. Et donc, vous voyez, par exemple, que sur l'assistance internationale, seuls l'Asie-Pacifique et l'Afrique ont bénéficié, en quelque sorte, d'assistance internationale. Pour ce qui est de l'assistance technique, on a plus de groupes électoraux qui en ont bénéficié. Mais vous avez une nouvelle ligne qui s'appelle coût administratif direct et qui correspond à ce que vous avez demandé d'appliquer, c'est-à-dire la politique de recouvrement des coûts. Cette politique de recouvrement des coûts vise à payer les coûts administratifs et essentiellement de services de travail du secrétariat permanent de l'UNESCO pour mettre en œuvre les assistances que vous accordez. Et donc, pour que la transparence soit complète, vous voyez à quoi ça correspond par rapport à la totalité des fonds que vous avez dépensés. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'assistance technique qui a été offerte aux États pour la préparation de candidature ou de requête ou d'assistance internationale, eh bien, c'est une somme de 10 000 dollars qui a été impactée sur le biennium en coût direct récupéré en quelque sorte par le secrétariat de l'UNESCO. Comme vous le savez, au cours du biennium, la responsabilité d'évaluer les candidatures a été confiée non plus à deux, mais à un seul organisme en 2015. Donc on était sur deux organismes en 2014 et un seul organisme, l'organe d'évaluation, en 2015. Et donc comme ce biennium est à cheval entre deux configurations, et je crois que ça sera un peu difficile de pouvoir faire des vraies comparaisons de coûts sur l'impact budgétaire que ce changement a eu lieu. En tout cas, pour le moment, ces deux configurations ont impacté les lignes 4, 5, 6 et 7, à la fois avec
les fees qu'on a fournies à l'organe d'évaluation à ceux qui étaient éligibles à avoir, le soutien des voyages de ces participants, le soutien des experts gouvernementaux qui siègent dans l'organe d'évaluation. Donc on a plusieurs lignes budgétaires qui ont été impactées. Nous avons aussi, dans l'annexe 2A, nous vous avons présenté quelque chose qui concerne les contributions volontaires qui ne sont pas régies par le plan adopté par l'Assemblée générale, mais qui sont quand même une pièce d'information tout à fait nécessaire au comité, puisque c'est le comité qui a accepté ces contributions. Donc en 2A, nous avons la liste des contributions volontaires supplémentaires qui ont été versées à des fins spécifiques. Des contributions d'ailleurs de montant très variable et qui ont pu intégrer certains paiements de services fournis par l'UNESCO qui ne pouvaient absolument pas être chargés selon la modalité de recouvrement des coûts, comme je viens de vous en parler, mais qui étaient des compensations financières que certains organismes ont données à l'UNESCO pour que l'UNESCO puisse leur fournir des services. Je vais citer par exemple le Norwegian Center of Traditional Music and Dance, l'Associazione per la Salvaguarda del Patrimonio Culturale Immateriale et plus récemment le Hamdan Bin Mohamed Heritage Center. Ce sont trois institutions qui, d'une manière ou d'une autre, ont payé l'UNESCO pour des services rendus en renforcement de capacité. Et donc, l'UNESCO a reversé en fait ces fonds dans le sous-fonds. Et enfin, l'annexe 2B vous parle des contributions affectées à des projets spécifiques et vous allez là noter quelque chose d'un peu problématique dont je vous parlerai le moment venu, qui est un déficit de paiement. C'est-à-dire, vous avez accepté des contributions qui ont été offertes, mais toutes ces contributions n'ont pas été effectivement versées par les États qui les ont proposées et que vous les avez acceptées. Donc, je vous proposerai à la fin une décision pour essayer de vous diriger à travers ça, mais c'est ce qui explique ce que j'appelle le gap de financement. On ne peut pas mettre en œuvre des projets dont on n'a pas reçu les fonds. Donc dans certains cas, malheureusement, le donateur nous a dit qu'on ne les recevrait jamais. Dans d'autres cas, le donateur a dit « Vous allez les recevoir, mais on n'était pas prêt encore à les débloquer. » Et donc, on vous proposera deux décisions différentes. Enfin, donc l'annexe 2, partie C, vous présente les prévisions sur la base de nos estimations pour l'utilisation future des crédits alloués aux projets en cours sur la base des crédits non engagés à cette date et des budgets approuvés par le comité. Alors les budgets affectés par le fameux déficit sont signalés avec deux astérix dans l'annexe 2C et un seul qui est signalé avec une seule astérix se réfère au projet dont le budget a dû être révisé suite à l'annonce, et cet État, c'est la Norvège, que la Norvège ne paierait pas le reliquat de la contribution qu'elle avait annoncée et que vous aviez acceptée. Mais je reviendrai sur cette question dans le prochain point à l'ordre du jour qui correspond au point 9 sur les contributions volontaires au fonds. Hein. Pour le moment, votre décision concerne le plan des ressources à proposer à l'Assemblée générale. Mais je voulais quand même vous éclairer sur ces rapports financiers qui sont, je le reconnais, assez complexes à comprendre et à lire. Ça n'est pas nous qui établissons ces rapports financiers, c'est notre, évidemment, service central financier et qui suit les règlements financiers de l'UNESCO, puisque ce fonds, un compte spécial, doit évidemment suivre absolument les règlements de tous les autres fonds. Donc, je pense qu'il était quand même nécessaire que je vous fasse une petite traduction de ces choses. Maintenant, je crois que le plus intéressant pour vous, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la proposition de projet d'utilisation des ressources du fonds. Alors, vous allez d'abord voir que vous avez deux colonnes. Vous avez une colonne
Oui, vous avez une colonne qui est la proposition, qui est dans le grisé, hein, ou dans le jaune, ça dépend de quelle couleur vous avez, mais enfin le tableau tel qu'il est. Et puis, à titre de comparaison, vous avez la colonne de ce que vous aviez accepté pour ce qui avait été accepté par l'Assemblée en 2014-2015, pour que je vous explique pourquoi, dans certains cas, le pourcentage a augmenté et dans d'autres cas, le pourcentage a diminué. Par ailleurs, je vous rappelle que vous allez faire une proposition qui va concerner 24 mois, la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, mais que vous allez également ajouter la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. Pourquoi ? Parce que comme l'Assemblée générale ne pourra approuver le prochain plan qu'en juin 2018, eh bien, on serait bloqué dans le travail s'il n'y avait pas, par anticipation, une approbation des 6 premiers mois de l'année 2018. Hein, donc la prochaine fois que l'Assemblée générale va se réunir en 2016, elle va approuver véritablement 2 ans, en récupérant d'ailleurs ce qu'elle avait approuvé en avance en 2014, et elle va faire le même exercice d'anticipation de 6 mois pour l'année 2018. Très compliqué. Il faudrait qu'en fait l'Assemblée générale se réunisse le 31 décembre de la fin de l'année pour que tout ça puisse être en ordre. Mais comme ce n'est pas tout à fait crédible, on est obligé de faire cette gymnastique. Comme je vous l'ai expliqué aussi, comme le montant sur lequel les pourcentages vont être calculés, et le montant au 31 décembre 2015, il n'est pas connu, donc on ne peut pas vous mettre un montant. On vous propose un pourcentage, mais en revanche, l'Assemblée générale aura connaissance de à quoi correspond ce pourcentage par rapport au solde du fonds au 31 décembre, et donc elle, l'Assemblée générale, sera saisie d'un montant et non pas d'un pourcentage. Je rappelle, je l'ai déjà dit en introduction, que ce fonds ne concerne que les contributions réglementaires. Et donc, elle exclut le fonds de réserve cumulée, les contributions dédiées et le sous-fonds pour le renforcement des ressources humaines, qui sont 3 domaines qui ne sont pas sujets à cette répartition. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais vous parler des lignes. Grosso modo, nous avons cherché à avoir le même équilibre des forces, on va dire. La priorité reste, dans la Convention et dans le travail de l'Assemblée et du Comité, évidente, la majorité des fonds doivent aller à l'assistance internationale. Donc ça, c'est un facteur qui reste absolument inchangé. Néanmoins, du fait que le solde va nécessairement être supérieur au 31 décembre de ce qu'il a été pour le biennium précédent, puisque précisément le faible taux de dépenses de l'assistance internationale fait que vous continuez à abonder au fond, mais que les dépenses ne sont pas capables de l'absorber en un biennium, le solde général va être plus important. Et que sur un solde général plus important, certaines dépenses dont nous connaissons déjà le montant n'ont pas besoin de garder le même pourcentage. C'est par exemple, je vais prendre un exemple très facile à comprendre, le cas de la prise en charge des voyages des membres du comité. Les membres du comité sont éligibles à être soutenus par le fonds quand ils sont des représentants de membres de pays en développement. Comme vous êtes 24, qu'il y a certains groupes qui sont a priori un peu exclus du principe du pays en développement, on sait d'avance que même avec un calcul très, très généreux, il ne peut pas y avoir plus de 18 membres qui vont être éligibles. Et si on pense que ces 18 membres habitent très, 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 très loin et qu'on fait des calculs très, très généreux de billets d'avion et de per diem, on sait quel est le chiffre dont on a besoin pour pouvoir couvrir pleinement les voyages des membres du comité. Et donc, si on garde le même pourcentage sur un solde plus grand, on va avoir trop d'argent. Et donc, ça sera un argent qui ne pourra pas être dépensé. Donc, c'est pourquoi nous avons augmenté certains pourcentages, comme l'assistance internationale, parce que ça
On peut espérer, je vous en parlerai tout de suite, améliorer les choses, mais sur le nombre de membres du comité, je ne parle pas des autres, hein, mais du comité, qui peuvent être pris en charge, on sait d'avance, et donc on n'a pas nécessairement besoin de garder, d'avoir une somme double de celle dont on a besoin. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons augmenté la ligne 1 qui correspond à l'assistance internationale et la ligne 7 qui correspond aux services consultatifs devant être fournis à la demande du comité, notamment à l'aide aux pays en développement dont les représentants ont été nommés membres de l'organe d'évaluation. Et là, je vais vous expliquer pourquoi, pour que vous ne vous inquiétiez pas. Ce n'est pas du tout que nous avons l'intention que vos services consultatifs coûtent plus cher qu'auparavant. Parce qu'ils vont plutôt coûter à peu près la même chose. Hein. Ils ne vont pas augmenter du fait que vous n'avez plus qu'un organe. Donc il y a moins de voyages, en quelque sorte. Mais nous faisons face à une difficulté qui est liée au changement de biennium. Chaque fois que nous arrivons dans un nouveau biennium, comme ça va être le cas maintenant, nous allons commencer avec un nouvel organe d'évaluation qui va commencer son travail en février, à peu près. Vous allez le nommer dans quelques jours. Et donc, cet organe d'évaluation, nous allons commencer à lui faire, à faire à certains de ses membres des contrats. Et ces contrats, ils sont des contrats qui courent jusqu'à prochain comité, en novembre. Or, nous n'avons en disponible que 6 mois, puisque le plan que l'Assemblée générale va adopter seul va pouvoir couvrir l'entière année 2016. Mais pour le moment, nous n'avons qu'une avance de 6 mois, qui va être très très juste pour pouvoir faire les contrats des membres de l'organe d'évaluation. Or, en particulier en juin, l'organe d'évaluation travaille dur et on ne peut pas envisager qu'il n'ait pas de contrat pour être rémunéré. Et donc, comme quand même pour le moment le fonds est très large, nous avons augmenté ce pourcentage pour permettre d'avoir suffisamment de liquidités pour faire face aux contrats de l'organe d'évaluation dans les années paires. Donc oui, il y aura certainement un solde dans les années impaires, un solde positif, mais il est quand même prudent. Là, je ne sais pas trop comment on va faire une très grosse gymnastique pour arriver à faire les contrats à l'organe d'évaluation de 2016. Ensuite, nous avons diminué la ligne numéro 4, participation aux sessions du comité, de son bureau et de ses organes subsidiaires d'experts du patrimoine culturel immatériel, parce que les fonds disponibles sont largement suffisants pour couvrir les besoins, d'autant que certains des coûts d'organes subsidiaires, maintenant c'est plus des organes subsidiaires, c'est un organe consultatif, c'est une forme d'organe subsidiaire, va rentrer dans la ligne 7. Donc c'est aussi un transfert de coûts. Donc on sait qu'on aura largement assez avec cette légère diminution de pourcentage sur la ligne 4. On va passer à 2,25 alors qu'on était à 2,75. Donc comme je vous le disais, même en maintenant les pourcentages identiques, les coûts en valeur absolue, les fonds disponibles en valeur absolue vont augmenter. Hein ? Donc, en fait, bon, en logique, on aurait même pu, si on avait voulu être très juste, monter encore l'assistance internationale. Mais comme on sait qu'on a quand même quelques difficultés à dépenser tous ces fonds, je crois qu'avec ce plan, vous êtes tout à fait sûr que tous les coûts vont pouvoir être couverts sur tout ce qui sort après le 3, c'est-à-dire toute la participation diverse et multiple des diverses personnes qui doivent assister aux sessions du comité et des services consultatifs que vous pouvez retrouver, et qu'il y aura quand même un montant augmenté pour l'assistance internationale. Maintenant, il y a un point que je dois expliciter qui concerne le fonds de réserve. Normalement, vous savez que le fonds a prévu de constituer un fonds de réserve qui peut être mobilisé en cas d'urgence, de nécessité, alors même que dans l'assistance internationale, dans la ligne du haut, là, dans le 1, il n'y a plus d'argent. On est loin de cette hypothèse, mais néanmoins,
On a, chaque année, prévu un pourcentage qui permettait de constituer un fonds de réserve qui ne sera pas touché et qui sera gardé en réserve, précisément, au cas où, un jour, on en aurait besoin. Jusqu'à présent, on avait abondé, versé 5% pour abonder à ce fonds. Et cette année, nous vous proposons d'arrêter, ou du moins de diminuer, pour arriver à hauteur de 1 million de dollars en fonds de réserve. Et je crois que 1 million de dollars en fonds de réserve pour une urgence qui pourrait survenir au cours du biennium est quand même assez suffisant dans le domaine du patrimoine immatériel. Donc c'est pour ça que ce pourcentage, maintenant, est supprimé en quelque sorte et qu'on a un montant précis qui sera le montant qui va permettre d'arriver aux 1 million et qui seront bloqués une fois pour toutes. Maintenant, la chose importante que je dois vous dire est que nous avons beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi au problème de l'assistance internationale. Et je me suis dit qu'il y a quand même un paradoxe invraisemblable quand on a autant de besoins dans le domaine et qu'il y a si peu d'assistance internationale mobilisée alors même que les fonds sont disponibles. Et donc, la réflexion, elle a commencé par la relecture des directives opérationnelles et de la Convention. Et si, je vais demander à mes collègues maintenant d'afficher l'article 21 de la Convention, et en relisant l'article 21 de la Convention, qui parle justement des formes de l'assistance internationale, puisque les objectifs de l'assistance internationale qui sont décrits à l'article 20 sont tout à fait clairs et sont tout à fait larges en fait, on voit que l'assistance internationale accordée par le comité à un État parti est réglementée par les directives opérationnelles, qui d'ailleurs déterminent des critères tout à fait clairs sur les raisons pour lesquelles le comité peut octroyer une assistance, et peut prendre les formes suivantes. Et je me permets de vous le lire parce que vous allez réaliser quelque chose que moi j'ai réalisé et que par la suite, quand j'en ai parlé à différentes personnes, tout le monde m'a dit « mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai ». Donc à quoi peut servir, quelles sont les formes que peuvent prendre l'assistance internationale ? La forme d'études concernant les différents aspects de la sauvegarde. La mise à disposition d'experts et de praticiens. La formation de tout personnel nécessaire. L'élaboration de mesures normatives ou autres. La création et l'exploitation d'infrastructures, la fourniture d'équipements et de savoir-faire, et d'autres formes d'assistance financière et technique, y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons. Donc en fait, la Convention prévoit une multitude de formes que peut prendre l'assistance internationale soutenue par le fonds. Et moi, j'ai réalisé, et nous avons réalisé, que jusqu'à aujourd'hui, la seule forme que nous avons presque sollicitée et acceptée, c'est le G, et encore une certaine partie du G, c'est le G, autre forme d'assistance financière sous forme de dons. Puisque les seules assistances financières que vous avez accordées sont des assistances financières qui sont des assistances internationales qui sont des demandes de transfert de fonds à un État. Mais en fait, si on relie bien et la Convention et les directives, on comprend que tout État parti à la Convention peut demander une assistance sous la forme telle que décrite à l'article 21, et que si l'assistance demandée correspond aux critères tels que décrits dans les directives, le comité peut souhaiter l'accorder. Et si maintenant je vous traduis ça sous une forme, par exemple, de la mise à disposition d'experts ou la formation de tout personnel nécessaire ? On peut se retrouver, puisque vous l'avez entendu, le renforcement de capacité est quelque chose qui est demandé par quasiment tout le monde, on peut quand même se représenter d'être dans une situation où nous avons un État qui dit « je souhaite avoir un renforcement de capacité dans le domaine des inventaires, je veux une assistance internationale, je veux que le fonds me soutienne pour ce faire ». L'État donc a fait cette demande, a décrit les raisons pour lesquels il a besoin de cette assistance. Le secrétariat vérifie
combien pourrait coûter un tel service à l'État parti, donc présente en quelque sorte un coût pour ce service, et l'ensemble de ces éléments, la demande de l'État et le coût élaboré par l'UNESCO, sont présentés au comité ou au bureau, en fonction du montant, qui ou non accepte, et ce faisant, le fonds peut soutenir une activité de renforcement de capacité mise en œuvre par l'UNESCO au bénéfice d'un État membre qui lui a demandé. Donc ça, c'est quand même quelque chose... Alors, je vous signale que j'ai un beau jour, quand j'ai réalisé, j'ai demandé au service juridique, est-ce que je suis en train d'avoir des hallucinations ou est-ce que je comprends bien la Convention ? On m'a confirmé que j'étais encore saine d'esprit et que c'était tout à fait juste, mon interprétation. J'en ai ensuite parlé à diverses personnes très fiables dans l'historique, y compris d'ailleurs à mes prédécesseurs, qui m'ont tous dit « oui, tout à fait ». Mais j'ai dit « mais alors pourquoi on ne l'a jamais fait ? Et pourquoi on se retrouve avec des soldes invraisemblables de fonds non dépensés quand tous les besoins, par exemple, en renforcement de capacité, ou en tout cas une large partie de ces besoins, pourraient être couverts par ces fonds ?» Eh bien, on m'a répondu, mais parce que personne n'y a jamais pensé. Donc, c'est tout à fait invraisemblable. Quelque part, j'ai presque envie de présenter nos excuses à tous ceux qui auraient pu en bénéficier et qui n'en ont pas bénéficié. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui s'ouvre une porte énorme de dégager les États, sauf ceux qui sont prêts et qui en ont besoin, de toute la complexité de ces élaborations de demandes financières qui demandent beaucoup, beaucoup de précisions techniques et qui, généralement, tombent précisément parce que c'est trop compliqué, et finalement, que de laisser aux États le soin de formuler leurs besoins réels et le soin à l'UNESCO de les chiffrer et de voir comment l'UNESCO peut rendre ce service, sachant qu'au sein de ces services, il peut y avoir aussi des parties de soutien financier concret à l'État, mais pas nécessairement l'ensemble de la demande. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose, une fleur que j'offre maintenant à la suite, puisque je ne serai pas là pour voir cette réalisation, mais je pense que c'est un grand pas dans la manière dont vos contributions vont pouvoir être dépensées. Voilà. Deuxième perspective que je ne vais pas forcément vous accorder maintenant, mais qui pourrait aussi, dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais qui pourrait aussi largement améliorer une situation à plein d'égards, c'est la question du plafond des montants. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le plafond des montants, c'est jusqu'à 25 000, le bureau s'en occupe, et au-dessus de 25 000, c'est le comité. Mais vous savez aussi que ce qui passe devant le comité est soumis à un plafond, 50 par an. Et que ce plafond, donc, impose à certains États d'avoir à faire un choix entre une demande d'assistance internationale ou une candidature, puisque vous savez bien que malheureusement, un État ne peut pas faire deux propositions à la fois. Et donc, une deuxième proposition qui est dans la même mouvance et qui viendra dans le point, je ne me souviens plus lequel, le point 15C, c'est d'augmenter le plafond qui va être délégué au bureau, de l'augmenter sensiblement, jusqu'à 100 000 dollars, pour que le bureau soit donc chargé tout au long de l'année, sans délai particulier de soumission des demandes pour les États, d'examiner toutes les demandes d'assistance internationale, quelle que soit leur forme, qui iraient jusqu'à 100 000 dollars, et pour que le comité puisse se concentrer sur celles qui vont au-delà, à l'exception des demandes d'urgence qui continuent à aller au bureau, et qui donc peut-être laissent une respiration aux États qui voudraient bénéficier des deux aspects, une assistance internationale et une candidature, sachant qu'ils pourront peut-être se retourner vers des assistances jusqu'à 100 000 dollars, qui leur permettraient déjà de faire pas mal de choses et de pouvoir se concentrer sur des candidatures. Mais ça, ce n'est pas un sujet que vous allez discuter maintenant, ça sera quelque chose qui concernera le point 15C, mais c'est une perspective qui est dans la même logique. C'est libérer l'assistance internationale, l'offrir
pour beaucoup plus de soutien et moins de bureaucratie, on va dire ça comme ça, de la part des États demandeurs, sans modifier les règles dans les directives d'octroi et sans modifier évidemment le principe fondamental, c'est que cette aide est toujours demandée par un État, hein, elle est le début, c'est le besoin d'un État exprimé à travers la demande. Et puis, alors ça c'est, voilà, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est la particularité de la ligne 3, puisque la ligne 3, qui est les autres fonctions du comité, elle fait l'objet d'un plan de dépenses particulier, très axé sur les résultats, qui est approuvé par le bureau, donc qui est, vous déléguez le bureau d'approuver le plan de dépenses de ces 20%, et avec une autorisation de flexibilité de 2% pour passer d'une ligne à l'autre, qui s'est avérée extrêmement utile pour permettre de dépenser l'ensemble des fonds planifiés pour le biennium. Voilà, c'est tout ce que... J'ai été un peu long, mais je crois que c'était important que j'insiste sur cet aspect nouveau et très lumineux qui s'ouvre sur cette histoire d'assistance internationale. Merci. Thank you, Madam Secretary, for this extensive but also very clear and precise clarification on the documents that are presented to us. We had the overview of the budget execution and the overview of the draft plan for the use of the resources that we're going to adopt for prepare for the General Assembly. But before going into the draft plan and the decision, I would like to, as we have done it throughout the session, open a general debate. We had an extensive presentation on the document, and I'm very sure that there's a lot of questions in the room. So I would urge you, dear committee members, to please use this debate to ask your questions to the Secretariat, which I will then ask them to reply to. Before opening the debate, allow me just to recall that in accordance with Article 5.1 of the financial regulations of the Fund, it is the committee's prerogative to decide on the use of the resources of the Fund on the basis of the guidelines laid down by the General Assembly. I will now open the floor. Please raise your flags should you wish to intervene. If I see many interventions, I will make a list of speakers. The floor is now open. La Côte d'Ivoire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je continue donc de remercier la Namibie qui nous prouve que l'hospitalité africaine est une réalité. Je félicite le secrétariat pour la qualité du travail fait, y compris pour les propos très courageux qui viennent de nous être prononcés, et ce d'autant plus que j'étais très inquiète quand j'ai lu le bilan des activités jusqu'au 31 août à la page 13 et que j'ai vu qu'il y avait simplement 3% des sommes prévues qui ont été dépensées, essentiellement pour l'Afrique et les États arabes. J'étais très inquiète, mais vous venez de reconnaître très courageusement que c'était une lacune, et je vous en félicite pour cette humilité. Donc, vu ce faible taux de dépenses, Madame Duvel, je m'inquiète aussi pour ce que vous prévoyez à la page 11. Au point 1, au point 2, vous prévoyez seulement 59% d'augmentation au lieu de 54% pour le montant pour l'année, pour le prochain biennium. 59% seulement en plus. Quand on voit qu'il n'y a eu qu'un taux de 3% seulement dépensé. Donc pour moi, ce pourcentage est insuffisant, à mon avis. Et il y a également un point qui n'a pas été pris en compte et qu'on a évoqué hier, c'est celui de l'assistance pour les rapports qui n'apparaît pas. À mon avis, il faudrait peut-être penser aux rapports qui n'ont pas aidé les pays à faire les rapports. Il y a un faible taux de réalisation des rapports et cet aspect des rapports n'apparaît pas, à mon avis, dans le futur biennium. Voilà ce que je voulais dire. Mais je remets l'accent sur vraiment l'inquiétude que nous avons en Afrique par rapport au taux des dépenses. Je vous remercie.
Je vous remercie, Madame la déléguée de la Côte d'Ivoire, pour vos observations. Avant de donner la parole au secrétariat, j'invite les autres membres du comité de prendre la parole pour des questions ou des observations. I see Turkey. Mr. Ambassador, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. We would like to thank the Secretariat for its comprehensive and structured report on the Intangible Cultural Heritage Fund. We welcome the accumulation of a solid balance of the fund currently over $10 million. Examining the report and listening to the explanations given by the Secretariat, we understand that the budget line 1 on the use of funds for international assistance requests continues to be underutilized, only 18% for the last biennium. We also note that the expenditure rate in the budget line 2 on preparatory assistance also remains low. We appreciate the valuable efforts by the Secretariat to increase capacity of the state parties in presenting assistance requests and encourage further efforts in this regard. To this end, as we did in the past, we will continue exploring the possibilities of providing contributions for strengthening the human resources of the Secretariat with a view of increasing its capacity to meet a greater share of technical assistance requests addressed to it by the state parties in need. Thank you. Thank you, distinguished delegate of Turkey. I will now give the floor to the delegation of Belgium. Thank you very much. We were very glad to hear the proposal by Madame Touvel to try to find a new system for the international assistance involving less bureaucracy and more effectivity. And we really like this idea that needs can be expressed by a number of countries and that there can be a collaboration with the Secretariat to budget this. So we think it's a very interesting and promising idea. And we were wondering how we could go forward with this idea, how soon it could be put in practice, and if there are specific ideas, a roadmap to reach this new kind of system and this new kind of collaboration in the near future. So it's a question. We really like the idea to invest in international assistance and to use the fund and to make this contribute. So if there are any specific steps we can take, we would like to reflect on this. Thank you. Thank you, Belgium, for your comments. After the debate, I would like to give the floor to the Secretariat to reply to some of the observations and questions that were put forward. But after the answer of the Secretariat, I would like to, in order to move fast enough in our agenda, move to the draft decision. So if there are any more questions, I would urge you, dear committee members, to put them to the floor now. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est de la question de la Côte d'Ivoire, je voudrais dire que ce n'est pas une augmentation de 59%, c'est 59% des ressources du fonds qui seraient dédiées à l'assistance internationale. Je vais vous parler en chiffres, qui sont des chiffres fictifs, puisque je vous ai dit que les vrais chiffres, on ne les connaîtra qu'à la fin de l'année. Mais je veux vous dire que les 54% qui étaient dédiés à l'assistance internationale pendant le biennium 2014-2015 correspondaient à un montant de 3,65 millions. Ça, c'était ce qui était disponible pendant 2014-2015 et dont le très faible taux, comme vous l'avez remarqué, a été observé. En proposant 59%, ça veut dire qu'on va passer à 4,5 millions de dollars qui vont être disponibles. Donc c'est plus que suffisant pour couvrir les besoins. Donc je crois que l'inquiétude, elle n'est pas à venir par rapport au pourcentage. Elle est plutôt à venir sur comment le secrétariat va expliquer aux États qui peuvent, sans crainte, et ça va rejoindre la demande de la Belgique, selon quelle modalité, on va pouvoir expliquer aux États qui peuvent, sans crainte, demander une assistance,
sans avoir à remplir toute la partie budgétaire de planification, etc., qui est souvent ce qui découle. Et donc, ça va répondre à votre question, par exemple. Ceux qui auront besoin d'assistance sur la constitution de rapports, eh bien, feront cette demande en disant, écoutez, nous, on doit faire des rapports, on ne sait pas le faire, on voudrait une assistance internationale. Et c'est la seule chose qu'ils auront à dire, enfin peut-être un peu plus précisément, mais c'est la chose qu'ils auront à formuler. Et là, on leur dira, bon, alors on va voir, alors pour faire une formation, il faudrait ci, il faudrait ça, donc ça va vous coûter tant. Donc pour répondre maintenant à la Belgique, je crois que, d'après ce que nous avons bien relu, je ne pense pas que les directives opérationnelles nécessitent d'être changées. Parce qu'elles, elles parlent toujours d'assistance internationale, pas d'assistance financière. Mais en revanche, il est clair que les formulaires doivent être changés parce que les formulaires mélangent en quelque sorte les formes d'assistance tout en se comportant comme si c'était nécessairement une assistance financière. Donc je crois qu'il y aura la nécessité de faire des formulaires peut-être différents. Un formulaire qui ressemblerait beaucoup plus à celui actuel qui sera dédié à l'assistance financière exclusive, l'article 21G. Et puis un formulaire différent, mais qui lui ressemblera aussi, mais qui ne demandera pas, par exemple, de budget, de plan de dépenses, etc., pour toute autre forme d'assistance, avec quelque chose qui est à réfléchir, qui devra être aussi, parce que la demande, elle devrait être signée par un État, hein, et donc l'État ne pourra pas prendre la responsabilité sur le chiffrement que l'UNESCO en fera. Et donc, il faudra qu'il y ait une deuxième formulaire qui sera, elle, signée par le secrétariat et que toutes ces deux demandes iront ensemble au bureau ou au comité pour en faire une demande clairement de service versus un financement calculé par l'UNESCO et proposé par l'UNESCO. Donc, je crois qu'on est plus au niveau des formulaires, qui est la chose la plus simple à faire, mais en termes de démarche, on est dans la même démarche. Un État a un besoin, il le formule. Et à mon sens, il n'y a pas de besoin de changer les directives opérationnelles sur les critères d'octroi qui devront, en tout état de cause, correspondre, puisque les critères, ils reflètent beaucoup quand même la Convention, les objectifs de l'assistance éligible, tout ça n'a pas besoin d'être changé. Voilà. Alors, quel est le deadline ? Bon. Notre rêve était d'essayer d'y travailler et de vous déjà donner ça maintenant. On n'a pas pu, on n'a pas eu le temps. Je crois que c'est notre première priorité parce que nous avons déjà des États qui nous ont formulé ces demandes, entre autres de renforcement de capacité, et nous leur avons dit, écoutez, si tout se passe bien, en début d'année prochaine, on va, avec vous, faire les premiers essais de nouveaux formulaires, etc. Évidemment, la réponse que vous allez apporter au point 15C, c'est-à-dire du plafond, va aussi beaucoup impacter, parce que si le montant que pourra octroyer le bureau augmente, à ce moment-là, le fameux deadline du 31 mars ne sera pas la date butoir, parce qu'on est conscient que pour le 31 mars, avoir changé tous les formulaires en début d'année, c'est un peu juste. Alors que si c'est des demandes qui peuvent être formulées dans le cadre de demandes qui peuvent aller au bureau, comme le bureau peut les recevoir à tout moment, on sera un tout petit peu moins serré. Mais enfin, on espère que dès le premier semestre 2016, on pourra avoir ces premières demandes nouvelle génération qui seront déposées. Voilà. Thank you, Madam Secretary. I believe we have given this issue careful consideration and are now ready to look at the draft decision. Excellencies, ladies and... Senegal wanted to speak. I think Senegal wants to take the floor. Senegal, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. J'ai hésité à intervenir parce que le point 15... on ne peut pas anticiper dessus et qu'il devrait régler beaucoup de choses. Mais je reviens sur un aspect. Hier, j'ai parlé un peu de l'appui conseil en termes d'assistance aux États parties que fournit le secrétariat. Et je m'en suis réjoui hier parce que le secrétariat aide les États parties à peut-être avoir un peu plus de possibilités d'acquérir un peu ce financement, cette assistance internationale. Et je pense que Mme Duvel a parlé tout à l'heure d'une diversification
des possibilités de financement et cette diversification va peut-être aider davantage les États parties à formuler plus de propositions, de demandes d'assistance. Je pense qu'au point 15, ça va permettre de régler beaucoup de choses. Maintenant, sur le formulaire, la seule question que je pose est si on doit... moi, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on puisse dire à l'UNESCO, voilà nos besoins, que l'UNESCO chiffre et fait passer au bureau pour un octroi rapide. Oui, nous sommes totalement pour. Maintenant, je pense que peut-être avant d'adopter, c'est mieux de confronter, peut-être de valider avec l'État parti, est-ce que le budget proposé va couvrir ou pas? Parce que les réalités dans chaque pays ne sont pas les mêmes. Et je pense que de toute façon, je vous vois déjà acquiescer par la tête, donc c'est tout à fait possible. Mais c'est surtout le point 15 qui permettra de régler la problématique générale. En tout cas, je remercie beaucoup le secrétariat pour cette ouverture et pour cette franchise par rapport à ce paradoxe que nous constatons depuis quelques années. Merci. Je vous remercie, monsieur, pour vos commentaires. Je donne maintenant la parole aux Philippines. Thank you very much, Mr. Chairman, and we'd like to thank the government of Namibia for the gracious hosting of this meeting. We'd also like to thank Madame Duvel for the very comprehensive presentation. The ICH Convention is unique that it has the funds and capacity to assist developing states, and we agree that the vast potential of the Convention to further assist developing states has to be fully tapped. We therefore think that, as Madame Duvel mentioned, it is crucial that the procedures to access international assistance and capacity building be made more user-friendly, less bureaucratic, and more directed to the actual needs of states, parties, and communities. We therefore encourage more information dissemination, dialogue, and consultation between the Secretariat, the Committee, the Bureau, states, parties, and permanent delegations in Paris. Perhaps priority countries in each region could be identified and outreach be made to countries that are underrepresented in the various lists. Our delegation would be very interested in helping in this endeavor, as my ambassador currently serves as chairperson of the Group of 77 in Paris in UNESCO. We fully support this effort to reform the system of international assistance, and in conclusion, we believe maybe a simplified request form could be very helpful with clear deadlines. Thank you very much. Thank you very much. Before going back to the examination of the draft decision, I would like to turn to Madame Duvel, Secretary of the Convention, to reply and answer to the questions by the observers. Oui, c'est pour acquiescer, mais en vrai mot, à ce qu'a dit le Sénégal. C'est évident que le chiffrage ne pourrait absolument pas être conçu par le secrétaire de l'UNESCO sans une étroite collaboration avec le pays, comme nous le faisons d'ailleurs pour les contributions dédiées. Hein. C'était une évidence, et je ne l'ai pas mentionné, mais c'était effectivement inconcevable que la demande qui va arriver devant le bureau ou devant le comité ne soit pas une demande conjointe, en quelque sorte, accord mutuel des parties concernées. Voilà. Thank you, Madam Secretary. So we will now go back to the examination of draft decision 10.8. So this is the draft decision that you can find in document ITH 15.10.8 at the end of the document in para 32. You can see it now on the screens, and we will proceed with the adoption paragraph by paragraph. We haven't received any amendments in writing. So should you have any amendments to one of the paragraphs we're going to examine right now, I would kindly ask you to let this known when we look at the paragraph. The first paragraph is citing the document we have examined. Do I see any objections to the adoption? I see none. It is adopted. The second paragraph, recalling the Convention's article that assigns us the task of preparing a draft plan for the use of the resources of the fund and the General Assembly's resolution by which the current plan was approved. Do I see any objections to the adoption of this paragraph? I see none. Approved. The paragraph 3,
deciding that our accounts will stop on the 31st of December 2015 and that our plan will be based on the available balance at that time. Are there any objections to the adoption of this paragraph? I see no objections. It is adopted. Paragraph 4, to submit to the 6th General Assembly the draft plan included in Annex 1 of the document that we just discussed, including the provisional clause regarding the period in between the end of the 2016-2017 biennium and the 7th General Assembly. Are there any objections to the adoption of this paragraph? I see none. It is adopted. Then we move to paragraph 5, which concerns the obligation acquired by states when ratifying the convention of paying their assessed compulsory contribution to the Intangible Cultural Heritage Fund. Are there any objections? I see none. It is adopted. We move over to paragraph 6. Paragraph 6, which is proposing to continue with the current practices of delegating to our Bureau the approval of those expenditures that are proposed by the Secretariat within the scope of the other functions of the Committee as defined by the Convention. Are there any objections? It is adopted. Paragraph 7, again proposing to continue with the practice that was already applied within the current spending plan for other functions of the committee of allowing a margin of flexibility between activities. Are there any amendments to this paragraph? I see none. Je vois la Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Je suis désolé, Monsieur le Président, avec le paragraphe 6, j'avais un ajout à faire. Délègue à son bureau le pouvoir de décider, etc., de l'utilisation des fonds au titre du point 3. Excusez-moi, c'est adopté, mais j'avais besoin d'ajouter qu'il fallait prenant en compte la problématique des rapports non fournis. C'est adopté. Bon, je ne sais pas si je peux, je vous le ferai plus tard, si vous voulez. Je vais donner la parole peut-être au secrétaire juste pour donner des clarifications sur ce point. Je vous remercie. S'il vous plaît, merci. Excusez-moi d'être venu parce que je faisais signe. Moi, je crois que dans la réponse que je vous avais faite tout à l'heure, oui. Je crois que si un État a un besoin spécifique de formation sur les rapports, oui. C'est dans le point 1 qu'ils doivent le faire. C'est-à-dire, c'est pas dans la ligne 3, c'est dans la ligne 1. Et donc là, cette ligne 3, elle est vraiment dédiée à des activités que le bureau, que le secrétariat propose pour le bureau, mais qui sont très transversales. Et je pense que les soutiens seraient plus appropriés sur la ligne 1. Donc, de toute façon, j'ai entendu ce que vous dites, et c'est évident qu'on va faire quelque chose. Mais je ne pense pas que ça soit approprié sur la ligne 3. D'accord, merci, je vous crois. Merci. Merci, la Côte d'Ivoire. We will now continue with paragraph by paragraph adoption. We were at paragraph 7, which we didn't adopt yet. Are there any objections to the adoption of paragraph 7? I see none. It is adopted. In paragraph 8, we are taking note of the application of the cost recovery policy and the alignment of our practice with the requests of UNESCO's governing bodies. Are there any amendments to proposed paragraph 8? I see none. It is adopted. We move to paragraph 7. Do we have any objections to determining the amount of the reserve fund as Article 6 of the financial regulations of the fund allows us to do? I don't see any objections. It is adopted. So we have now adopted each of the paragraphs of the draft decision, and therefore we will move to the adoption of the draft decision as a whole. Belgium, you have the floor. We'd like to propose an amendment, if it's possible, to request the Secretariat to rethink the form ICH04 and to start working on what has been proposed. So request the Secretariat to rethink or reevaluate the form ICH04
which is the form for international assistance. So, Belgium, if I understand it right, you want to include an additional paragraph in the draft yes. decision that is presented to us. May I ask you where you would like to propose this paragraph? It could be paragraph 10, unless it's... It could be a new paragraph 10 to start working on the proposal that Mrs. Duvel has proposed to us. So, to rethink the form ICH04, which is the form for international assistance. So you are proposing a new paragraph 10. Yes. May I kindly ask you to read it out, please? Request the Secretariat to revise the form ICH04. Yes, that's perfect as it is. Je vais donner la parole à Madame Duvel, secrétaire de la Convention. Je me permettrai de faire quelque chose qui ne se fait pas d'habitude, mais de proposer un amendement pour que ça soit plus clair à ceux qui n'ont pas assisté au débat. Simplement, demande au secrétariat de réviser le formulaire ICH04 afin qu'il reflète mieux les formes de l'assistance internationale prévues à l'article 21, pour que ça soit plus clair quel est l'objectif de la révision. Hein? I would like to ask Belgium if what was just proposed by Ms. Duvel corresponds to the intention of your amendment. It absolutely corresponded to what we wanted to say. Thank you very much. Do we have the new paragraph 10 on the screen in both languages? I will wait until it is fully on the screen. We now have the new para 10 on the screen. I will read it out. Requests the Secretariat to revise the form ICH04 in such a way that it better reflects the provisions in Article 21 of the Convention. So, Excellencies, ladies and gentlemen, I will now put the draft decision 10.8 to the committee for approval as amended by Belgium with the new paragraph 10. Are there any objections to adopting draft decision 10.8 in its entirety? I see none. It is adopted. Thank you.